Bonjour, je m'appelle Bijou Maliabo. Je suis une des leaders dans notre ville d'Iowa et je suis aujourd'hui ici avec Jennifer Miller, spécialiste en prévention de maladies. Bonjour Jennifer, merci encore une fois de nous joindre à notre Canal 4 pour répondre à quelques questions sur le vaccin du COVID-19. Oui, bien sûr. Bonjour, Bijou. Comme vous avez dit, je m'appelle Jennifer. Je travaille à la département de santé. Je travaille avec la prévention de maladies. Alors, en ce moment, avec ce virus de COVID, je travaille beaucoup avec ce problème. Alors, je fais des investigations des gens qui sont malades. Mais aussi, je travaille avec des gens ici pour faire des choses avec la vaccine qui est récemment venue dans cette ville. Merci beaucoup. On peut commencer, on a quelques questions. On peut commencer sur les questions des distributions. Nous sommes maintenant en phase 1B de vaccination. Qui est éligible pour recevoir de vaccination pendant cette phase et comment peuvent-ils se faire vacciner? Oui. Alors, dans cette phase 1B, pendant toute la phase, les gens qui sont plus âgés que 65 ans peuvent tenir cette vaccination. Ensuite, il y a aussi cinq niveaux de profession qui sont également éligibles dans cette phase. Des niveaux sont classés et c'est par profession, alors des gens qui travaillent. Alors, on commence avec le niveau 1. Après, on a 2, 3, 4 et 5. Niveau 1, en ce moment, c'est des gens qui travaillent dans les écoles, des professeurs, mais aussi les gens qui travaillent dans la cuisine, les gens qui travaillent avec l'administration. Il y a des gens qui travaillent dans des écoles, dans les crèches avec des petits, aussi les pompiers, les policiers, des gens, des travaux sociaux pour la protection des enfants. Tous ces gens sont dans le niveau 1. Pour le phase 1B. On travaille ici à la département de santé directement avec les employeurs, les patrons pour les professions admissibles, pour être sûr que tout le monde qui travaille dans ces travaux ont la chance de recevoir le vaccin. On travaille avec quelques pharmacies locales, par exemple Town Crest, Hartig, Hy-Vee, pour organiser les vaccinations pour les gens à cause de leur travail. Chaque personne ne peut pas téléphoner ou contacter la pharmacie directe pour arranger. Ça se fait complètement par la département de santé et l'employeur. C'est le patron qui va dire aux gens qui travaillent dans l'école, dans la crèche, dans l'agence, bon, vous avez le droit d'aller à telle pharmacie tel jour pour recevoir le vaccin. Pour les gens qui sont plus âgés que 65 ans, eux, ils vont recevoir leur vaccin dans l'hôpital où travaille son médecin. Alors, ici en Iowa City, on a l'hôpital de l'université et aussi l'hôpital de Mercy. Alors, les médecins qui travaillent avec l'université, si vous avez
été dans le cabinet d'un médecin dans les 2 ans qui viennent de passer, votre nom sera inscrit sur la liste pour l'université. Si vous avez été avec un médecin qui travaille à Mercy depuis 2 ans, votre nom sera inscrit sur la liste et quelqu'un va vous contacter, soit de l'université, soit de Mercy, pour organiser un rendez-vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a beaucoup de gens qui veulent prendre ce vaccin. On a beaucoup de gens qui sont plus âgés que 65 ans et on n'a pas assez de vaccins en ce moment exact pour que tout le monde puisse aller tout de suite. Alors, il faut que chaque personne attend qu'on vous contacte. Et quand je dis qu'on vous contacte, je veux dire l'hôpital va vous contacter. Ce n'est pas le département de santé qui va contacter les gens âgés plus de 65 ans, c'est l'hôpital. Si vous avez l'habilité d'aller sur l'Internet, si vous avez un ordinateur ou si votre appareil, votre téléphone, votre mobile marche avec l'Internet, vous pouvez marquer, bon pour l'université, mais aussi dans quelques pharmacies, si vous avez plus que 65 ans, que vous avez l'intérêt de prendre ce vaccin. Je sais que peut-être les gens un peu plus âgés ne sont pas très bien avec les ordinateurs, ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Alors, on espère que les gens plus jeunes peuvent assister, les gens un peu plus âgés à faire tout ça. Parce que oui, c'est bien compliqué, je sais, mais en ce moment, avec pas beaucoup de vaccins et beaucoup de gens, c'est difficile, quoi. Il y a tellement de gens qui veulent cette vaccine qu'on ne peut pas leur donner tous au même jour, même tous aux mêmes semaines, même tous dans le même mois. Ça va prendre plusieurs mois que tout le monde peut prendre le vaccin. Merci beaucoup, Jennifer. On peut passer à une autre question si c'est OK. Quand il s'agit de se faire vacciner, cela coûte-t-il quelque chose? Les gens ont-ils besoin d'une assurance médicale ou quelconque? Oui, alors le gouvernement va donner le vaccin à tout le monde gratuit. Alors les médecins et aussi les pharmacies, ils peuvent demander qu'on paye quelque chose juste pour donner le vaccin, mais le vaccin elle-même, ça serait gratuit. Mais si vous avez d'assurance, ça va payer pour la piqûre, pour que le médecin vous donne la piqûre. Mais si vous n'avez pas d'assurance, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a un programme avec le gouvernement qui va payer. Alors, personne n'aura besoin de payer même pas 1 $ pour avoir le vaccin. La vaccine sera gratuite et il y a un programme si vous n'avez pas d'assurance pour payer le médecin ou payer la pharmacie. Alors, ne vous inquiétez pas. Et aussi, vous n'avez pas besoin de présenter preuve pour l'immigration pour avoir le vaccin. C'est pas grave si vous n'avez pas de papier pour montrer que vous êtes là, ici aux États-Unis, légalement. Ça n'a pas ça fait rien avec cette vaccine. Merci, merci beaucoup. Nous savons que ces processus prendront du temps en raison de la forte demande, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, de l'offre est limitée.
Que pouvez-vous dire aux gens sur le calendrier du processus, comme un temps précis? Bah, nous sommes heureux qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner. Et on est contente qu'on peut bien travailler avec les hôpitaux et aussi les pharmacies ici en ville. Mais c'est difficile à dire, vraiment. Parce qu'on pense que dans les mois qui viennent, on va avoir plus et plus et plus de vaccins. Je pense que ça va accélérer même dans un mois, mais pour le moment, on dirait que ça va prendre plusieurs mois. Alors peut-être dans l'été, on aura assez de vaccins que tout le monde peut aller n'importe où dans un pharmacie. Vous téléphonez, vous dites, oui, je veux un rendez-vous et la semaine prochaine, c'est fait. Mais en ce moment, ça ne se passe pas comme ça. Il faut attendre. Il faut être prêt, quoi, quand la pharmacie ou quand l'hôpital vous appelle. Il faut répondre. Il faut prendre le téléphone. Il faut rappeler s'il vous laisse un message. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chance. Alors, si vous avez la chance et on vous dit la semaine prochaine, jeudi, il va falloir vous arranger pour y être. Parce que sinon, ça va être plusieurs semaines, même plusieurs mois, que vous avez une autre chance. Alors, pour le moment, c'est difficile, mais je pense dans quelques mois, ça va devenir plus facile. Merci beaucoup. Et où est le meilleur endroit pour obtenir des informations sur le moment où je pourrais me faire vacciner? Y a-t-il un numéro de téléphone ou quelque chose que je peux recommander à ma famille ou à mes amis qui n'utilisent pas, par exemple, l'Internet ou les réseaux sociaux? Et malheureusement, en ce moment, il n'y a pas un endroit où on peut appeler. Comme j'ai dit, si vous avez été patiente soit avec un médecin de Mercy, soit avec un médecin de l'université, dans les 2 années qui viennent de passer, votre nom, si vous avez plus que 65 ans, sera sur une liste. Alors, si c'est ce qui est passé. Vous n'avez pas besoin de téléphoner, vous n'avez même pas besoin de vous enregistrer sur l'Internet. Mais si vous n'avez pas été patiente, si il y a plus que 2 ans, ça serait nécessaire que vous trouviez quelqu'un pour vous assister, un ami, quelqu'un dans la famille. Pour arranger, pour vous enregistrer, vous pouvez vous enregistrer avec l'université, mais aussi dans les pharmacies. Mais il faut vous enregistrer en chacun. Alors, il n'y a pas une place où vous pouvez être dans toutes les listes. Alors, il faut contacter Hy-Vee pour vous enregistrer. Il faut contacter NuCara pour enregistrer. Il faut contacter Towncrest pour enregistrer. Il faut contacter l'université pour enregistrer. On espère qu'on va arranger avec des groupes dans la communauté de nous aider à assister des gens, mais aujourd'hui, on n'a pas quelque chose comme ça, mais on travaille à arranger ça. Alors, vous pouvez toujours, toujours contacter le département de santé si vous avez des questions, parce que ça va changer. Vraiment, ce qu'on fait aujourd'hui, on espère qu'on va faire mieux la semaine prochaine. Alors, si vous avez quelqu'un dans la famille qui ne sait pas utiliser l'Internet, appelez dans 2 semaines pour demander si on avait arrangé quelques moyens pour assister. Et on travaille avec les groupes pour les gens âgés, aussi pour peut-être arranger un programme d'assistance pour enregistrer. Bonne information, merci beaucoup. Et parlons un peu sur l'équité.
Comment l'équité est-elle prise en compte dans cette approche de distribution? Je sais que les gens ont un peu peur avec les papiers d'immigration et tout ça. Et aussi, c'est des problèmes pour les gens qui ne parlent pas anglais de comprendre exactement comment ça se passe. Alors, ici, dans le département, on a des gens qui se mettent ensemble toutes les semaines pour regarder tout ce qu'on a fait dans la semaine qui passe et pour marquer, pour voir si on avait fait ce qu'il faut de donner l'information aux gens qui ne sont pas, qui ne lisent pas en anglais, qui ne parlent pas anglais. Mais aussi, on a parlé avec des groupes dans la communauté. Alors, on a parlé avec des gens qui viennent du Congo. On a parlé avec des gens qui viennent du Mexique. On a parlé avec les gens qui viennent de l'Asie pour demander deux choses. Alors, comment c'est la façon meilleure pour leur donner l'information, mais aussi pour comprendre peut-être un peu mieux s'il y a des choses qui gênent. Parce que peut-être quelqu'un qui vient de Mexique pense des vaccins quelque chose de différent que quelqu'un qui est né en Iowa, mais aussi différent que quelqu'un qui est né en Asie. Alors, on veut savoir des pensées culturelles qui va peut-être changer comment les gens pensent pour la vaccination. Comme ça, on veut leur donner l'information dans leur langue pour que ça peut leur aider à comprendre un peu mieux. Merci beaucoup. Parlons d'équité. Le gouvernement fédéral a déclaré que le vaccin était accessible à tous, y compris les immigrants sans papier, comme vous l'avez dit aussi. Ils ont ajouté que les agences d'immigration ne mèneront pas d'opérations d'application à proximité des sites de vaccination. Mais certains immigrés sans papier craignent toujours d'aller se faire vacciner. Devraient-ils s'inquiéter? Non, non, vraiment, ils ne devraient pas, mais je comprends que c'est quelque chose qui leur gêne vraiment. Ça cause beaucoup de peur pour les gens. Alors, nous travaillons pour communiquer tout ce qu'on peut avec, honnêtement, avec notre partenaire dans la communauté. Qu'on ne travaille pas avec ICE, on ne travaille pas avec des gens pour l'enforcement des papiers d'immigration, que vraiment, ce qui est important pour nous et pour à l'hôpital, à la pharmacie, nous, on pense seulement à comment on peut donner la vaccination et rien d'autre. Alors, vous n'aurez pas. Personne ne va demander que vous montrez des papiers d'immigration. Alors, si jamais quelqu'un a un problème avec ça, quand ils vont dans une clinique pour recevoir la vaccination, il faut partir et il faut bien téléphoner à la département de santé tout de suite parce que vraiment, ça ne doit pas arriver jamais, jamais. Merci pour la clarification. On peut un peu aussi parler, on a un peu de questions sur les préoccupations de sécurité sur le vaccin. Est-ce que les personnes vaccinées peuvent-elles encore propager le virus? Oui, on pense que oui, mais vraiment, vous savez, on est toujours en train de étudier ce vaccin et pour voir comment ça marche. Mais pour le moment, on pense qu'il y a une chance, pas très grande, mais il y a toujours une chance que les gens qui sont vaccinés sera infectés avec le virus, mais à cause du vaccin, ils ne seront pas malades.
Comme ils ne sont pas malades, ils ne savent pas qu'ils ont le virus dans le corps et qu'ils peuvent le donner aux autres. Alors, à cause de ça, pour le moment, on dit que c'est très important, même les gens vaccinés doivent toujours porter des masques, oui, et de rester 2 mètres des autres quand vous êtes en public, quand vous n'êtes pas chez vous. Je pense dans quelques mois, on saura plus de comment marche exactement ce vaccin. Mais même qu'on sait que les gens peuvent transmettre cette virus, même s'ils ont eu le vaccin, on sait aussi que ce vaccin marche très, très, très bien, qu'on ne devient pas malade. Alors, surtout pour les gens âgés, de ne pas devenir malade, ça veut dire de ne pas aller dans l'hôpital, ça veut dire de ne pas mourir. Alors, même si on peut devenir un peu malade avec le virus, ce vaccin arrête qu'on devienne très, très malade. Merci. Certaines personnes peuvent être préoccupées par le fait de se faire vacciner. Que dites-vous à ceux qui s'inquiètent à la sécurité du vaccin? Je comprends parce que ce vaccin, c'est le premier qu'on a fait aussi vite. Mais vraiment, toutes les étapes pour le faire, ça s'est passé. Pour les autres vaccins, on a pris plus de temps, mais on n'a pas manqué des étapes. On a fait chaque chose qu'il faut pour créer le vaccin, pour faire des examens, pour faire des tests, mais aussi pour regarder tous les résultats pour être sûr que ce n'est pas dangereux. Alors, les scientifiques, les médecins, ils ont fait tous ces examens. Ils les ont fait vite parce qu'on avait besoin. Alors, je suis contente qu'ils avaient travaillé aussi vite, que ça peut marcher, mais vraiment, ils n'ont pas manqué des étapes. Il n'y a pas des choses qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fait toutes les choses très vite. Merci encore. Quels sont les effets secondaires? Les gens peuvent-ils s'attendre après avoir reçu le vaccin? Alors, certains effets secondaires sont très normaux et si on les a, ça fait une signe que votre corps renforce la protection, que votre corps marche bien et que vous aurez l'immunité à cette infection. Alors, ce n'est pas quelque chose de mauvais nécessairement, c'est quelque chose qui nous montre que le corps marche bien. Mais ce qui peut arriver, c'est, bon, premièrement, que ça fait un peu mal sur le bras où vous avez eu l'injection. Ça, c'est complètement normal. Mais aussi, on voit qu'il y a des gens qui ont une fièvre, pas pour très longtemps, mais peut-être 24 heures, qui ont une fièvre, mal de tête, aussi qu'ils ont des frissons, qu'ils se sentent très fatigués, qu'ils n'ont pas beaucoup envie de manger. Normalement, ça va durer peut-être 24 heures. Ça commencera peut-être 12 ou 18 heures après la piqûre. Ça va durer peut-être 24 heures. Et après, c'est fini. Dans ce vaccin, on n'a pas mis le vaccin, il fait, mais pas avec le virus vivant. Alors, les effets secondaires, ce n'est pas que vous êtes malade avec le virus. Le virus n'est pas vivant. Alors, vous n'avez pas la chance d'attraper le virus vrai avec cette injection. Ce qui se passe, c'est que votre corps commence à marcher pour enlever le virus et
c'est normal que vous ne vous sentez pas très bien. On a vu aussi que peut-être les gens qui sont un peu plus jeunes, qui ont des systèmes d'immunité plus forts, ils se sentent un peu plus de ces effets. Et ce n'est pas quelque chose que qui devait vous ennuyer, vous gêner. Ce n'est pas une raison de ne pas prendre le vaccin. Ça nous montre que ça marche bien. Merci, bien sûr aussi. Pour ceux qui souhaitent obtenir des informations plus précieuses ou plus précises, pardon, sur le virus, pouvez-vous recommander des sources fiables? Moi, je regarde souvent le CDC. Alors, vous pouvez seulement mettre dans l'Internet cdc.gov. A beaucoup, beaucoup d'informations. Ils ont des informations, vous pouvez marquer que c'est en français, alors beaucoup d'informations en français. Mais aussi les websites pour Johnson County Public Health et Iowa Department of Public Health. Avec ces deux, vous aurez des informations un peu plus locales, quoi, pour vous expliquer ce qui se passe exactement en Iowa et même ce qui se passe en Iowa City. Mais CDC vous donnera beaucoup, beaucoup d'informations de cette maladie, du vaccin en général, beaucoup d'informations. Merci, je crois qu'on peut finir. Il y a beaucoup de gens qui posent trop de questions qu'on devrait répondre. Je vous remercie beaucoup d'être ici. Il y a quelque chose que peut-être on a oublié de parler ou on peut dire juste quelques phrases pour notre communauté avant qu'on puisse finir. Seulement, j'aimerais dire que j'espère que les gens, que chaque personne pensera bien fort de ce vaccin pour décider si c'est la bonne chose pour eux-mêmes. J'espère, pour moi, c'est la bonne chose. Moi, je vais la prendre quand j'aurai la chance. Mais vraiment, je comprends que les gens, ils ont peur, mais si vous avez peur, s'il y a quelque chose qui vous gêne, s'il y a une raison qui vous inquiète, s'il vous plaît, regardez sur l'Internet, sur CDC, téléphonez à la département de santé, demandez à votre médecin, parce que ce virus, ça continue après un an dans la ville. On sait tout le monde, on sait que la vie a changé. Et c'est très difficile. Alors, ce vaccin, ça nous donne d'espoir, oui, qu'on va pouvoir reprendre nos vies comme on les connaît. Et ça va faire que les gens ne deviennent pas malades. Alors, c'est très important de ne pas répondre avec la peur. Si vous avez peur, demandez. C'est important de savoir tout ce que vous pouvez sur ce vaccin, de ne pas faire une décision avec peur. Merci beaucoup, Jennifer, d'avoir répondu à ces questions et de fournir des informations très précieuses, très, très, très importantes pour notre communauté sur le vaccin du COVID-19. Merci de nous avoir aussi précisé et j'espère que ça a répondu à beaucoup de questions que les gens avaient. Merci encore une fois et à Merci. bientôt. Bonjour.